can't see you, but he does. D'accord, donc le mec parle en anglais. Hey! Salut tout le monde, c'est BlueSkyman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur BioShock pour la suite et bien du Let's Play. Épisode 6, si je ne dis point de bêtises. Et on s'était arrêté au marché champêtre. C'est le nom de la zone où nous sommes. Hop. Donc ça fait eh bien une semaine que je n'ai pas touché au jeu, voire peut-être un petit peu plus si j'avais envie de m'y remettre. Vous avez vu que j'avais pu avoir. J'avais pu avoir un rythme de. Plutôt assez propre de une vidéo par jour, rythme que je n'ai point pu tenir ces trois derniers jours. Pour la simple et bonne raison que comme je l'avais dit, j'avais certaines semaines qui étaient plus chargées que d'autres au travail. Et que bah, c'était un petit peu compliqué des fois de tenir la cadence. Donc je n'ai pas pu trop jouer au jeu. Alors. C'est quoi? Utilisation des trousses de sang. Non mais ça, ok, d'accord. Au final, je sais même pas ce qu'on a trop récupéré. Alors, acheter les articles. On va pirater. Alors, je vais pirater ça tranquillement, mais sûrement. Hop. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de retourner sur du BioShock. On va tenter de finir. Ce petit let's play, n'est-ce pas? Hop. Là, bon, il va falloir que je me mêle le cul, mais grave. Eh bien, c'est un fail. Ça sert à quoi ça? C'est des alarmes. D'accord, excellent. Ça, c'est quoi? Ok, bah, c'est pas grave, hein. Écoutez. Je vais pas leur faire, j'ai pas envie d'utiliser mes trousses de sang pour ça. Sachant que j'en ai utilisé une pour que dalle. Hop, on va prendre les balles spéciales. Ça c'est pas mal qu'on ait. Ouais, alors attendez. Une espèce de touraine là qui a l'air de bien faire chier. Et non, elle ne m'a point vu. Mes enfants, avec leurs longues aiguilles. Chansons discordantes, leur horrible glanage. Mais c'est chaud là où je suis là. Horrible père digne de Frankenstein. Mais nous avons tous posé la main sur une grande chaîne d'entreprises, d'économie, de découverte et d'action. Ma main tient cette chaîne, celle de Fontaine aussi. Nous la tirons tous et elle nous tire. Ces enfants sont une abomination, oui. Reload. Ah ouais, ouais. Non. Leur petit doigt était à côté des miens sur la chaîne. Oh. Ah, ça par contre au pirate. Ok, d'accord, je sens le truc hardcore. Excellent. Mais en vrai. Ah. C'est relou ça, mon gars. Ça vient de déclencher une alarme. En vrai, un peu relou. Hein, on reload ça. Seconde à tenir. J'ai qu'une balle de chevrotine. J'ai 0 balle là. Ah, c'est vrai que j'ai mon lance-flamme, j'ai pas l'utilisé. Ouais, je vais les tuer, hein, ça va. Pas bien grave. Vous sentez un peu la galère de revenir sur le jeu là en vrai. Bon, moi je les aurais tués. J'ai quoi d'autre? Ouais, j'ai plus de balles. Hein. C'est la grosse dèche. Ah, mais j'aurais bien aimé le pirater, mais un peu trop compliqué pour moi là, j'ai l'impression. Faudrait que j'améliore tout ça là. Faudrait que j'améliore les. Ouais. Faudrait que j'améliore les compétences. J'ai plus de balles là-dedans. On va prendre ça. J'ai l'impression qu'il fait que d'elle. Il prend des dégâts ou pas là?
Déjà plus de balles dedans, c'est excellent. Je vais prendre la clé à molette. Hein. Balek. Bien m'exploser dans la gueule, excellent. Il y avait un. Est-ce que je vais pouvoir le fouiller vite? Ok, il avait un peu de thune. J'ai 0 balle. Est-ce que... Ouais, ok, ça donne là, d'accord, ok, très bien. Et début difficile, hein, on va pas se cacher. Voilà, je... Oh putain, il m'a fait trop peur, mais sérieux. Et on dirait qu'il y a des nouveaux ennemis un peu là. Ok, d'accord, je commence à comprendre le... Tuer tous les protecteurs, sinon c'est vénère. Ouais, c'est vrai que c'est... Mine de proximité. Ouais, mais alors, les mines de... D'accord, ok, les mines, tout ça, limite atteinte. Je ne sais même pas comment on fait pour les... Pour les utiliser, en fait. Genre, réellement. C'est ma vie, la mienne. Allez, moi, je te strafe, mon gars. J'ai vraiment envie de finir, là. Voilà. Ok, encore un petit peu de thunes. Il avait quoi? Il avait rien. Ouais. Je voulais faire un truc tout à l'heure, mais je me suis un peu trop. Il y a quoi là? Ok. Ok. Donc, très clairement, bah, je vais pas pouvoir tenter le protecteur parce que c'est la mort. Genre, réellement. De stockage, c'est à dire qu'il y a peut-être un truc intéressant. Oh. Ok, encore un peu de thunes. Voilà. Oh. Ah. Pardon. En faisant ma promenade aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. Lui, un gros bateau engoncé dans une combinaison de plongée à l'odeur infecte. Elle, hirsute et crasseuse, vêtue d'une blouse rose immonde, était d'une pâleur inhabituelle, verdâtre et morbide. Il y avait quelque chose de désagréable dans son comportement, comme si elle vivait dans un monde différent. Je comprends l'utilité de ces créatures, mais je souhaiterais qu'elles fussent plus présentables. Oh, il balance des grenades maintenant. C'est chaud ça. Oh, je l'ai quand même tenté, Balek. J'ai pas mal. En fait, j'ai des mines de roquettes donc ça va le faire. Mais il faut que je les tue hein, parce que sinon je pense que je vais réellement galérer, mais comme un porc. Hein, déjà mis tout haut. Tu sais que c'est qu'il met vraiment, vraiment cher. J'ai encore des balles de ça. Hop, ça fait super mal ça. Hop, on va eh bien la sauver. Ok, donc on a tué un protecteur. J'ai utilisé, je crois, 2 kits de soins. C'est vrai que c'est un petit peu galère quand même, hein, très clairement. Je suis. Elle va rien me filer, bien entendu. Hein. On va mettre le petit journal. Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas. Oh, non, mais je peux voir la dent épais et vert dégouliner du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crasseux et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle bat dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Je comprends soudain que ce n'est pas cet enfant que je hais. C'était, je crois qu'on pouvait y aller par en bas là. Parce que je viens de là et ouais. J'ai racheté, bah, parce que j'ai un petit peu de thunes, j'ai racheté quelques petits kits de soins. Bienvenue à la fin. De toute façon,
Voilà, j'achète tout ce que j'ai en thune. Plus on en a, mieux c'est. J'ai ramassé des balles de ça, donc on va reload tranquillement. Et on va pouvoir, eh bien, continuer. C'est vrai que c'est assez hardcore, hein, très clairement. Il y avait quoi par là? Rien. Oh putain, rien. Il n'y a pas un truc pour les éblouir en vrai? Alors non. Et mais gros. Ah ouais mais non, attends. Je me trompais de tout, j'ai vu tout à l'heure. Ok, je me suis un peu fail sur le moment, je vous cache pas. Ok. Et quoi par ici? Ok, c'est de là où je viens en fait. Je viens de là. Ok, c'est pour ça. Vite, file-moi ça. Hop. Encore un nouvel enregistrement. Depuis 10 ans que je vis dans ce trou, j'ai fini par accepter ma vie médiocre. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine dignité. Le minable de chez Worley, là, le négociant en vin, eh ben il met de l'eau dans sa piquette maintenant. De l'eau! Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu: vous inquiétez pas, Pierre, c'est de l'eau distillée. Ça pourrait être pire, j'aurais pu prendre l'eau de l'océan. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Y'a des abeilles! Attends, c'est quoi ce bordel? Azote liquide. Eh gros, y'avait des abeilles, j'ai pas compris. What the fuck? Y'avait des abeilles, non mais what the. La dent agit comme un cancer bénin. Il détruit les cellules natives pour les remplacer par des cellules souches instables. C'est cette instabilité qui lui donne ses propriétés étonnantes, mais qui entraîne aussi des dommages cérébraux et cosmétiques. Ah oui, merde, il fallait. Il faut de plus en plus d'attente. Il fallait choisir. Bon, je croyais qu'on pouvait tout drop en fait. Médical, c'est une catastrophe. Bon. Mais d'un point parce qu'il y a du miel. Bon, c'est chiant s'il y a des abeilles. Ok, donc en fait ça c'est le petit cadeau qu'elle avait dit qu'elle m'a envoyé dans le précédent épisode et que j'ai pas réussi à trouver. J'ai fait ok, d'accord, il y a eu un bug, je l'ai pas eu. Et au final on l'a eu, on a pas mal d'adents quand même. Donc, moi ce que je veux c'est améliorer ma vie, et enfin tout ce qui est autour de la vie, parce que sinon... les plasmides utilisent moins d'ev. Réduit les prix d'articles vendus dans les distributeurs. Ça, ça peut être pas mal aussi. Emplacement fortifiant physique. Débloque un emplacement pour fortifiant physique. Ouais, bon, ça je m'en fous un petit peu. Pour. Alors, vous confère des pouvoirs. Ouais, non, ça c'est bon. Débloque un emplacement pour. Placement. Ah, ok, d'accord. Alors, ça peut être pas mal. Et ça, c'est quoi? Réduire la vitesse des flux lors des piratages. Repris les, réduit le prix, les prix des articles vendus dans les distributeurs. Ok. Ah ouais, mais du coup, attends, il faudrait que. Ok, nuée d'insectes. Oh, ça peut être pas mal ça. Ah non, je voulais le mettre. Bon, c'est pas grave, attendez. On pousse les créatures grâce à des plasmides, ils m'ont dev, ça peut être pas mal aussi. On va mettre la base de ça. Bon, au final, j'ai échangé pas mal de choses et j'aurais bien voulu débloquer un emplacement de plasmide en plus. Voilà. Voilà, 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 voilà. Du coup, là, normalement, il y a moyen de l'échanger ici, voilà. Alors. Ce que je voulais c'était enlever ça et mettre à la place le feu. Voilà. On est bien. Du coup je vais reprendre. On va mettre ça pour l'instant pour voir ce que ça fait. Ok, c'est la fumée pour les abeilles. Je sais pas si c'est limité. Ça m'a l'air parce qu'il y a une espèce de petit décompte. On va vite se mailler le cul. Et ça a l'air d'être limité. Ça va de plus en plus vite. Vas-y, mets ton cul, mets ton cul.
Ah non, attends, attends, moi j'utilise pas ça. En vrai, je peux pas ça. Putain, j'ai fait une attaque, mon gars, c'était surpuissant. Ah putain, il m'attaque. Bon, du coup, je vais réutiliser ça. Hop, vite. Alors, il faut que j'aille où exactement? Ah, mais oui, il faut que je ramasse des trucs. Attendez, on va se poser tranquillement. D'ailleurs, je vais revoir les quêtes. Alors, trouver cette unité de... Alors, il vous faut cet échantillon spécial pour la formule du vecteur hasard, explorer Arcadie, marcher pour en trouver suffisamment et fabriquer les vecteurs. Les abeilles du ruche, c'est vrai, au marché, fabriquent naturellement des enzymes. Mais je sais pas comment. Je les ramasse en fait. Je pense que j'ai pas besoin d'un truc spécial parce que j'en ai déjà deux. Voilà, tranquille. La fumée, calme. Il y a la fumée. Ah, en fait, faut que je fasse gaffe. Ah, voilà, échantillon d'enzyme. Ok, c'est bon. Fallait que je fouille bien tout. Parce qu'il n'y en aurait pas d'autres. Non, c'est bon, la flèche est revenue. Ah, encore un. Ça, vous êtes bien. Pas grave. Allez, vas-y, reload. Hop. C'est vraiment l'électrique, c'est le truc qu'on a le plus au début, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Vas-y, va te faire défoncer par les. Hop. Hop, voilà. Putain, il y a quelques trucs, elle. Il faut que je retourne où là? Je pense que j'ai encore des trucs à fouiller. Voilà. Ah, il faut que j'en trouve réellement 7 là dans ce bordel en fait. Le truc, c'est qu'il y a des ennemis qui viennent, c'est tellement relou, mon gars. C'est bon, échantillon trouvé 7. Là, c'est bon, je peux repartir dans le jeu. Vraiment. Wouah, ils sont déterrés un peu. Donc, je vais prendre la mitraillette. Où est-elle? Elle est là. Est-ce que je dois encore. Oh, moi je pense que c'est. Oh putain. Je pense que c'est bon du coup réellement. On reprend une petite seringue machin là. On va bientôt fouiller, mais normalement je pense que j'ai tout. Oui, grave cher réellement. Quand il loot pas mal de trucs. Ça c'est cool. Voilà, excellent, je me barre. Hop. Pourquoi c'est fermé? Hop, voilà. Vas-y, mets-toi. On se barre. Rappel aux citoyens de Rapture. Le fond du océan est notre maison. Mais nous devons rester prudents. La moindre fuite d'eau est une menace. Alors, je vais faire un petit tour et bien dans ça. Voilà, trouver cette machin. Il vous faut 7 unités d'eau distillée. J'en ai 4. Ah oui, oui, alors attendez. Explore quasi marché champêtre pour en trouver suffisamment fabriqué avec. D'après un rachetement, les chromosomes lui ont
voler dans son stock de revues, il en peut être encore. Ok, donc je pense qu'il va falloir que je tue des gens. Sympa ici. Ok, on n'est jamais allé ici. Il va falloir que je tue des chrosomes, très clairement, je pense, pour avoir les autres trucs. Enfin, c'est ce qui est indiqué donc. Bon, on va aller faire la mitraillette. Hop, 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 hop. Ah, il y a un protecteur, on va se le faire aussi. Ça plus tard, j'ai presque cru voir. Voilà. Voilà, voilà. Je l'avais vu tout à l'heure. C'est le seul. Hein. Hop. Ah, faut pas que je passe à côté parce que faut vraiment que je les attrape tous. Pokémon, tu sais. Alors. Généralement, souvent dans les phases comme ça de gameplay où je parle pas beaucoup parce que faut que je sois concentré dans ce que je suis en train de faire, sinon je suis une merde. Très clairement. Non mais c'est bon, on est sur la bonne voie. Bah oui, parce qu'il n'y a pas les flèches et tout. Qui te mettent sur la bonne voie, c'est un petit peu relou. Ok, nice. Hop, plus que 3. Y'a quoi par là? Des munitions de pompe. Très clairement, les... Ça me fait chier parce que je ne sais toujours pas comment on fait pour mettre les mines de proximité ou quoi. Genre j'ai essayé les flèches. Ça a pas l'air de trop marcher de ouf donc ça me pète légèrement les couilles à ce niveau là par contre. J'ai combien de balles là dedans? J'en ai 60 vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, on va prendre celle-ci. Ouais mais c'est des perforances. Et il y a lui, je me le ferais bien mais il a pas l'air d'avoir de petites sœurs. Laisser tranquille. Malheur à vous. Allez, viens, fuyez, fuyez. Hop, au calme. Solution. Ah, nice. Plus que 2 comme ça et plus que 3 d'eau distillée ou je sais pas quoi là. Il faut la solution chlorophylle, hein, je crois. Hop, voilà. Plus que... Ah non, plus que 2 du coup. Distillé, il en faut plus que 2, ça c'est cool. On a bientôt fini, je crois que la dernière est là-bas, voilà. Ok, au calme. J'aurais galéré, hein. J'aurais galéré. C'est ça que vous voulez. Tranquillement. Ok. On peut les péter ça ou pas? Ok, ok, ok. En phase de gameplay, où on faut qu'on cherche des choses, hein, donc c'est assez chiant de se cacher. Enfin, pour vous, moi, pas trop pour moi, mais pour vous, j'imagine même pas. Petite cigarette au calme, ça fume des malbos. Caméra des familles qui fait gravier, là il y a le petit cordon. Et donc du coup là, ah putain, chaque fois j'appuie sur start. Du coup il me faut juste ça là. Donc il faut que je bute des gros zones, voilà. Oh my. Et je crois que j'ai déjà été ici. En fait. Non, enfin, je n'ai pas été ici, je crois bien. Ah d'accord, ok, il y a un petit tunnel ici, je n'avais pas vu.
On va faire le tour. Ok, encore de la flotte. Ok, ça a l'air d'aller derrière. Encore de logistique. Lui, il a rien. Hop. Bon, de l'eau, on en a plus qu'il en faut. Je pense qu'il y en avait un peu plus pour pas forcément qu'on galère à chercher. Échange génétique, pas besoin. Oh, un chat. Oh, c'est stylé ici. Alors. Nailing the perfect marriage of story to gameplay is a science that many developers still struggle with today. BioShock has left an indelible mark on gaming narrative that can be seen and felt in many modern releases, but Irrational's motto remained from the beginning, don't start with the story, start with the gameplay. Ok. Sympa. Mais bon, on va pas se le faire là, très clairement. Très clairement, on va pas revenir ici. Hein. Alors, tous les photographes de recherche vont avoir l'œil des experts et vous aussi l'œil de l'expert. Vous porterez un autre regard sur le monde. Non, c'est pas mal la décharge. D'accord, et je reviens, bien entendu, il y a tout ça derrière. Il y en a pas un qui va avancer là pour se prendre. Oh, celui ça fait un truc. Attends. Attends, je crois. Oh putain, mais j'ai utilisé tous mes kits de soins, j'ai trop les boules. Ok, sympa le petit truc là. C'est vrai que j'ai un appareil photo et que je m'en suis pas trop servi, mais normalement, ouais, quand on prend les trucs en photo. Quand on prend des trucs en photo, ça nous donne des améliorations ou je sais pas trop quoi. Il y a lui là, j'aimerais bien le tuer, mais clairement j'ai pas de vie, mon gars. Qu'est-ce que c'est? Il m'a pourquoi? Ce qui est pas mal, c'est que quand ils sont figés, on peut bien leur mettre des headshots des familles. Bon, je crois qu'on peut pas les loot du coup, et ça c'est très chiant. Ça c'est très très chiant. Bon, du coup je crois qu'on va partir de cette zone. C'est sûr que j'allais m'appeler. Je pense que je vais clairement mourir parce que il y a une tourelle à côté de cette petite caméra. Que si elle me voit. J'ai vite fait prédiquer tout ce soir au passage, mon gars. Move! Ok. Wow, on va se calmer tout de suite. Putain, ils ont des pouvoirs. Ah, c'est pété toute seule la conne. Nice! Plus que 1. On va vite attendre que cette tâche d'essence s'atteigne. Voilà. On va peut-être retourner ici du coup. Est-ce qu'il est chaud? Non, j'ai le truc pour réduire la vitesse du liquide là. Hop. Wow. 8. Hop. On l'a fait.
Ah, j'étais stressé là pour les trucs de piratage, c'est ultra galère. J'espère que ça va nous filer masse trucs parce que. Ok, sympa. C'était pour beaucoup plus de temps. Ok, pas mal. Hein. Ah, on a loot des bonnes choses, très clairement. Amélioration d'armes, ça c'est nice. Je vais améliorer. Ouais, bon, ça je m'en fous un peu. Pas mal, ok. Changer de munitions quand vous êtes en mode armé. Okay. Pas mal, pas mal. Oh, il a une gueule chelou. Enfin, il a une gueule sympa, je trouve. Et là, il m'en faut juste un dernier. Putain, il est sérieux de courir comme un autiste comme ça, il m'a fait trop peur. Mec, il court comme ça là, sans aucune pression. Vas-y, reload tranquille, tranquille, on a le time. Il m'en manque qu'un en plus, hein, c'est ça le truc. Hein. Il m'en manque juste un quoi. Bon, du coup, là, j'ai bien fouillé les deux zones. De toute façon c'est pas grave, hein. Je vais faire des cuts hein, parce que c'est d'une chianteur extrême. Et je vais ken aussi cette putain de... Ah putain c'est chiant quand ça fait ça. Ok nice. Toujours pas hein. Ah est-ce qu'on le tente? Est-ce qu'on tente le petit coffre? De revolver, c'est toujours bon. Allez, on tente. Hop, tranquille, tranquille. On a pas besoin de stresser. Ça a l'air d'être le même que tout à l'heure. Attends, on va mettre ça par contre ici, comme ça. Non, bah non, c'est bon. La merde. Attends. Je peux le faire. Hop, ok, c'est bon. Ah, j'avais eu peur de pas avoir assez de trucs. Ah, ils sont un peu chauds, hein, très clairement. Ok, on est propre là. Oh, non, ils sont encore là-dessus. Oh, nice! Putain, c'était là-dedans! Oh là là! Sans déconner, mon gars! C'était dans cette merde là! C'était dans un coffre ici là! Purée, sans déconner! Ah! Ah non, j'ai trop les boules là, réellement! Ok, c'est bon! Manufacture! Outil de piratage, vecteur laser, excellent! Munitions perforantes. Petit piratage atomique. Voilà, c'est bon. Ouais. J'ai mis tout qu'on ait pris un dégât. Que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur laser. Nice. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de modulation et tout marchera comme sur des roulettes. Ok. Alors, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce petit temps de chargement et on fera la suite pour plus tard. Parce que là je suis à 45 minutes de record, mais je vais faire quelques cuts parce que c'était juste trop chiant comme épisode, je pense. De toute façon c'est un peu comme l'épisode où on devait prendre des photos là, l'épisode 3 je crois. C'est un truc assez relou où tu perds vite patience en fait. Enfin surtout en vidéo c'est chiant tu vois. Après niveau gameplay ça va, ça passe. Mais ça peut devenir répétitif à la longue, donc je pense que je ferai des cuts. Enfin c'est pas, je pense qu'il y aura des cuts dans cet épisode. Pas que ça soit trop relou à regarder. Et puis moi je pense que de mon côté je vais continuer parce qu'au final on n'a pas fait tant de choses que ça par ramasser des éléments. Donc voilà. En plus on est bien là, on commence à être franchement, je trouve qu'on commence à être bien réellement. Inutile de lutter contre l'inévitable. Bientôt vous n'aurez plus d'oxygène et vous vous endormirez. Toi. Bon, on va faire cette phase de gameplay là parce que bon, on était sûr qu'il allait avoir quelque chose, j'aurais dû mettre sur pause.
c'est pas grave. Arrête de se barrer. Bientôt vous n'aurez plus d'oxygène. Excellent. Je vais vous. Est-ce que. Pff, allez, on va perdre temps avec ça. C'est grave. On va se barrer vite. Il n'y a plus que 20 secondes, c'est bon. Il n'y a pas de tourelle qui nous touche, c'est bizarre. Oh, là dessus. Je sais pas ce que c'est. Ok, il avait que dalle. Excellent. Bon, dès qu'il y a l'alarme qui se coupe. Voilà, de toute façon, là on est arrivé à l'endroit où il faut aller. Hop, donc on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde. Tchuss.